Coucou les filles! Alors, ce soir, je vais vous présenter la Lock Fantastic Box du mois de février. Alors, je l'ai reçue lundi. Enfin, je suis allée le chercher à la poste lundi. Parce que normalement, je devais l'avoir le mardi de la semaine dernière. Mais le fainéant de livreur n'est pas passé chez moi, encore une fois. Et donc, il a déposé directement à la poste. Moi, je ne savais pas. J'ai reçu un avis d'instance par courrier lundi, parce qu'avec la neige, on n'a pas eu le courrier entre mardi de la semaine dernière et lundi de cette semaine. Donc, je ne savais même pas que c'était à la poste et donc je ne pouvais même pas aller la chercher avant. Donc, fantastique, je ne sais pas pourquoi, me donne pas toujours le numéro de suivi. Des fois, oui, des fois, non. Donc, voilà. En tout cas, voilà, j'ai bien râlé. J'ai appelé le service client de la poste encore une fois, en fait deux fois cette semaine, parce qu'ils l'ont fait avec deux colis. Donc voilà. Mais bon, je l'ai maintenant, donc tout va bien. Donc c'est super joli. Voilà, deux couleurs en rose très foncé, presque rouge, avec une rose plus claire et c'est doré là. Et moi, j'aime bien, si toutes les box sont comme ça cette année, je serais content, parce que ça, c'est le box du mois dernier. Donc c'était que deux couleurs aussi. Voilà, et je trouve que bah, ça fait très joli ensemble, c'est très classe. Voilà. Donc, on va voir ce qu'elles contiennent. Déjà, il y a le magazine Elle, qui est beaucoup plus petit maintenant qu'avant. Et bon, voilà, c'est ça. Hein. Comme d'hab, je ne lis même pas. Mais bon. Puis le petit livret. Avec les produits de ce mois-ci, plus d'autres articles, par exemple sur les rouges à lèvres, pour avoir un maquillage glowy. Voilà, plein de petits articles sur différentes marques. Donc, c'est assez intéressant. Ça, j'aime bien, ça, je regarde. Donc, voilà. Après, l'intérieur. Et comme ceci. Et bah, tout en rose. Hein. Voilà. Alors, les produits. Donc, on a un crème de jour anti-ride de la marque Elemis. C'est très bien. Je sais que c'est très bien parce que j'ai eu exactement pareil dans le calendrier de l'Avent. Donc, un peu déçu, oui. Bon, c'est une bonne marque et j'aime bien, donc je vais l'utiliser, mais j'aurais préféré quelque chose que j'avais pas avant. Donc, voilà. Après, de la marque Filoga, et ça, j'ai eu un truc, je sais pas, je pensais une crème anti-rides aussi, une crème pour le contour des yeux ou quelque chose comme ça de cette marque dans le calendrier de l'Avent aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Donc là, je suis contente. Donc c'est un masque lissant. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est ce que je pensais. Masque lissant illuminateur. Donc c'est un contenance de 15 millilitres. Donc si c'est un masque de 3 fois maximum, donc au moins 2 fois, mais bon, c'est assez pour l'essayer. Ah, attendez, la crème ça fait 30, je pense. Non, 15 aussi, ça fait une 15 ml aussi. Voilà. Après, celui de Dr. Pawpaw, c'est un baume à tout faire. Hein. Et en fait, j'en ai. Ah non, je ne l'ai pas dans ma poche aujourd'hui. Normalement, je l'ai dans ma poche. En fait, j'ai eu la même dans la Glossy Box il y a quelques temps. Ça ne me dérange pas de l'avoir encore parce que franchement, c'est vraiment, vraiment super. On utilise sur les lèvres, sur les cuticules, sur les mains qui sont sèches. Voilà, partout, sur les coudes. Là où vraiment tu as besoin. Voilà, ça fait que c'est comme ça. Donc, c'est bien pour mettre sur les lèvres aussi. Et voilà, c'est une texture comme vaseline. Non, mais franchement, c'est vraiment, vraiment super ça.
Donc ça ne me dérange pas. Encore une fois, un peu déçu que c'est quelque chose que j'ai déjà. Mais bon, c'est un bon produit et je l'utiliserai. Après, de la marque Trifle. Bon. Ouais. Trifle Cosmetics. Alors, ça, c'est un gommage pour les lèvres. Donc, ça, c'est. Je n'ai même pas ouvert ça. Je pense que j'avais tout ouvert maintenant. Apparemment pas. J'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Là, on est mercredi. J'ai pas filmé quand je l'ai reçu. Mais je trouve ça bien. Un gommage pour les lèvres. C'est. Oh, ça a l'air d'avoir du sucre dedans quand même. Oui. Je pense. Ça craque. Ah, c'est opportuné. Je vais essayer de l'ouvrir. Si j'arrive. Hein. Si j'arrive pas, vous allez pas voir, c'est tout. Et moi non plus, d'ailleurs. Voilà, pourquoi ils font ces trucs tellement difficiles à enlever, mais c'est bien collé, hein. Et ça s'enlève par petits bouts. Oh là là. Oh, mais j'arrive même pas. Le rouge à lèvres partout. Ben non, je suis désolée. Je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'arrive pas du tout à l'enlever. Mais ça veut pas. Attends. Essayer de le percer. Voilà. Le percer avec un crayon. Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est assez. Voilà, c'est comme ça. Ah oui. Oh, ça sent le caramel, ça. Caramel. Ah oui. Caramel gâteau poire. Oh là là. Ah, mais c'est super bon, ça. Oui, ça gomme aussi. Oui, ça gomme bien. Enfin, je pense que c'est du sucre dedans. Ça, j'aime bien quand c'est naturel comme ça, au sucre ou des l'intérieur des fruits. Je sais plus comment ça s'appelle. Très bien. Donc voilà. En tout cas, ça, franchement, oh, ça sent vraiment vraiment bon. Donc voilà, je suis contente. Après, j'ai un sérum. Un sérum SOS désaltérant de Caudalie. Donc ça c'est très bien aussi. Bon, c'est une petite contenance, mais c'est un sérum, donc on n'a pas besoin de beaucoup. C'est 10 millilitres. Alors, je vais mettre à côté. Voilà, c'est juste voilà, un sérum normal, quoi. Alors, j'ai mis sur la même main que l'autre, donc je sais pas si ça sent quelque chose. Parce que je sens le. Ah, mais ça sent vraiment les gâteaux, le gommage. Hein. C'est trop bon. On l'a très très contente aussi. Donc, c'est le deuxième produit que j'ai découvert. Et un dernier produit, c'est du Bella Pierre. Ça s'appelle comme ça. Comment? Shimmer. Bella Pierre Shimmer. Shimmer Roll. Voilà. Et pour les yeux, pour le visage et pour le corps. Donc en fait, c'est comme un highlighter, mais c'est une bille comme ça. Et c'est pas une crème, c'est un poudre. Donc en fait, on le met. Voilà, on le voit comme ça. Et on peut l'étaler aussi. Voilà. Mais ça brille vraiment, c'est super joli. C'est doré, non, peut-être même cuivré, je dirais. Ça fait un bruit beaucoup quand on le ferme. Donc là, je suis vraiment contente parce que j'aime bien les trucs qui brillent. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez bien. Et donc voilà. Ben, c'est tout. Je suis un peu mitigée avec cette box parce que, comme je dis, il y a deux produits que j'avais déjà.
Mais bon, tous les produits sont bien. Je les aime bien. Je pense que je vais aimer les utiliser. Et ben voilà, c'est tout. Donc oui, je valide la box. Je donne un 8 sur 10 ce mois-ci. Donc voilà. En tout cas, je vais arrêter cette box au mois de mai quand mon engagement sera terminé. J'ai pris un engagement pour un an. Donc, mais je vais prendre toujours le calendrier de l'Avent à la fin de l'année parce que je trouvais ça vraiment super. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos demain, peut-être même ce soir, je ne sais pas, ça dépend si je les filme ce soir ou demain, mais j'en ai plusieurs là, quatre d'autres je pense que je dois filmer. Donc ça sera pour très très bientôt, pour m'en vers la fin de la semaine. Donc voilà. Ouais, ben c'est tout, hein. Voilà, je vais y aller et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez ça dans la journée, bien sûr, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!